Hey, salut tout le monde, ça va? Bon, aujourd'hui sortie route, c'est parti pour une petite sortie de 70 bornes. C'est pas grand chose pour une sortie route, mais beaucoup de dénivelé. Voilà, c'est l'objectif de la journée. Donc j'ai 4 belles côtes à monter. On va commencer par le Mont Pinson. Du côté de la Suisse normande. Donc ceux qui connaissent le Mont Pinson. Ensuite à Clécy, la côte de Levé ou la Rançonnière, au choix. Ensuite je redescends sur Pont-d'Ouilly pour monter Saint-Clair. Il en restera une dernière, je crois. Ça va être sympa. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai pas le temps de m'échauffer, on commence directement par le Mont Pinson. Ça réchauffe. Ça essouffle. Mais ça réchauffe. La première partie du Mont Pinson est faite. Elle est en deux parties celle-là. Donc voilà, une première partie de Honnay-sur-Redon à Roucan. Ça redescend un peu et ça remonte bien après. Mais c'est très agréable à monter, c'est régulier. Un beau revêtement. Voilà, c'est que du bonheur quoi. J'entame la deuxième partie. Tranquillement. Je suis pas là pour forcer. Je suis là pour grimper. C'est assez joli quand même par là. C'est calme. Allez, j'arrive au sommet de la première bosse. L'antenne relais du Mont Pinson. Du Mont Pinson. À la tête dans le brouillard. Plus qu'à redescendre. La prochaine bosse s'annonce beaucoup plus difficile. On a une belle vue d'ici, non? Elle est belle la Normandie. La Suisse normande devant. On arrive à Clécy. Ça va un peu moins rigoler. Ça fait 5 km que je descends. Je vais moins faire le mariole d'ici peu. Donc là, je suis vraiment tout en bas. Il n'y a plus qu'à remonter. Et là, ça va piquer. Je suis là pour ça. Donc c'est parti. On commence à attaquer les gros pourcentages là. 13%. Et c'est pas fini. Bon voilà. La partie de la deuxième ascension est faite. Il y a un raid, vache. Avec deux gros passages à 15%. Ah. Là ça redescend un petit peu. Il y a une deuxième partie. Un peu plus douce. Donc là, le plus dur est fait sur celle-là. Ça fait du bien. Je suis dans la deuxième partie, autour de 9% quand même. C'est plus court. Donc ça va. On est presque en haut là. Bon voilà, après avoir bien descendu, ce qui m'a bien refroidi d'ailleurs, il va falloir remonter. Voilà. Je suis à Pont-d'Ouilly. Et je vais grimper la côte de Saint-Clair, une de mes préférées de la région. Elle est bien longue, un bon revêtement, bien régulière, j'aime beaucoup. C'est vraiment agréable à monter. Un beau décor, c'est vraiment tip-top. Oui, j'ai dit tip-top. Une expression de vieux aussi, je sais. J'assume. Je suis arrivé en haut de la troisième ascension de cette sortie. Vraiment un bonheur cette côte. J'adore. 30 km encore à faire, une bosse. Voilà, le plus dur est fait. La dernière bosse, je crois que c'est la côte d'Amar. J'en suis pas certain. C'est dans ce coin-là en tout cas. Dans le coin de monsieur Museau-Vinaigrette. Voilà, son pseudo. Un collègue à qui je souhaite un bon rétablissement, il s'est cassé le pied, s'est cassé la cheville il n'y a pas longtemps. Ouais. Il m'a promis des grosses sorties VTT par chez lui, là, parce que c'est très dur là-bas. J'ai hâte. Donc voilà Eric, repose-toi bien, soigne-toi bien et à bientôt sur le vélo.
poste touristique. Je suis à Caumont-sur-Orne. Joli, hein? Allez, on repart. Cullé-le-Patrie. Joli nom. Jolie côte surtout. Et pique aussi celle-là. Ça monte toujours. 10-12% par ici. On aperçoit l'antenne relais du sommet de la première ascension. Le mont Pinson. Voilà, c'est bon signe, ça sent la fin. Je crois qu'il n'y a plus qu'à redescendre, gentiment. C'est encore une côte, histoire de finir en beauté. Et pour finir, la côte d'Amar. Voilà, une bonne petite côte aussi. Assez régulière. Pas désagréable. Bon voilà, j'en ai fini avec les ascensions. Il y a 7 km de la voiture à peu près. On va encore un petit peu de faux plat, je pense. Ça devrait aller. Bon voilà, sortie terminée. Au chaud dans la voiture. C'était une bonne sortie. Du dénivelé. Le temps était à peu près correct. Un peu frais et pas mal de vent, mais c'est tout. Donc voilà. À bientôt. Allez, ciao.